Accous, Pyrénées. C'est dans ce petit village de la vallée d'Aspe qu'une bande de joyeux drills s'y est installée pendant 3 semaines. Ils ont avec eux des parapentes, des instruments de musique et même des raquettes de plage. Mais ils n'ont aucun but précis. À part peut-être de vivre au jour le jour, loin des obligations et du stress que nous impose notre quotidien. Avoir du temps pour soi et aussi pour les autres. Être à 100% dans le présent. Ce film retrace leur aventure. Bonjour Jérémy Richert. Bonjour Franck Malélus. Vieux me vendre un. Bonjour Franck. L'idée, c'est donc de passer du temps loin de la civilisation pour être bien tranquille. On a d'abord fait escale à Arudy pour se rendre au festival Étonnant Randonneur. J'ai eu la chance de pouvoir y présenter mon premier film Bike and Baz, mais on a surtout été invité pour faire un peu de musique. Et ça tombe bien, parce que c'est ce qu'on fait tous les soirs au campement. On chante, on danse, on dort dans les camions. T'as dormi ? Pardon. Le bonheur, quoi. Rester entre potes avec du temps. À cette époque où on n'en a plus, eh bien nous, on a décidé de s'en accorder une bonne dose. Parfois, ça part en cacahuète et on maîtrise plus rien du tout. Moi ce que je demande les gars, c'est la paix, je suis à paix, oui c'est la paix. Eh hey mec, trick de ouf. Non, trick de merde. Je suis à paix, à paix, à paix, à paix, il est à paix, à paix, à paix, à paix. Oh, j'ai lâché un paix. À Arudy, c'était pour moi la première fois que je jouais avec mon cousin Quentin, sans oublier Guigui et Louis, toujours présents pour faire le show. Ce petit groupe éphémère, nous l'avons même appelé Cousinade. Nous sommes des vagabonds à la recherche de moments forts, parfois incompris, mais des plus heureux. Et après tout, c'est bien ça qui compte, non ? C'est le meilleur personnage de l'histoire. Vous l'aurez compris, avec nous, ça ne vole pas très haut. Mais heureusement, pas tout le temps, parce que voler, c'est surtout pour ça qu'on est là. Niche les boules niche pas. Voyez, nous allons monter là-haut. Uh-huh. Je souhaiterais absolument ne pas galérer à se prendre la faciale matinale, comme d'habitude. J'ai trouvé le chemin de crête et puis l'allonger classiquement et bien, avec une vue extraordinaire des deux côtés. Nous allons croiser les doigts. Et croisons les doigts. Oui. Il est 8h10 et on part dans 20 minutes, est-ce que tu es prêt ? C'est génial de pouvoir se lever le matin, regarder le temps qu'il fait et pouvoir décider du programme de ta journée. Une belle randonnée en montagne dans des endroits incroyables et au sommet, un super vol pour redescendre. Le soir, on sort les instruments. Et pendant la journée, c'est les tournois de raquettes de plage. Voilà les ingrédients nécessaires à un séjour réussi. Alors, explique-nous Pi, là, sur... La Pinicho. La Pinicho. En fait, grâce à l'ombre, là, du poteau, tu peux déduire la position du soleil, l'angle de la rotation de la Terre, la hauteur du sommet qu'elle a. D'accord. Allez, passons aux choses sérieuses. Lionel va nous expliquer sa première expérience de marche et vol. Tout d'abord, les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Je suis toujours dans mon sac de couchage. Il va falloir en sortir. Ça roule. J'arrive. Allez, viens au bout du monde. Je m'appelle Lionel, je viens de Belgique, bientôt 27 ans. Voilà, passionné par le sport, par la nature, rencontrer les gens, voyager. Yee-hee.
On peut parler un peu de ce matin ou un vol un peu atypique peut-être. Ouais, on va faire des crêpes. Vous appelez ça comment? Rando vol. Marché vol. Et depuis là-haut. Ouais. Bah super bon délire, on part avec les copains. 5 points pour la vallée d'Aspe, pour être aussi belle de bon matin. On part à pied et tout, tac, on se motive, il y a petite motivation d'arriver en haut. Lionel Chaud. Oui, en avant, c'est parti. Rome, de ce matin, les petits loups, en prendre son petit sac, ses petits bâtons. On va marcher. Depuis ici, jusqu'à là-haut, caché par l'arbre, ok, mais c'est là-haut. Joli. Non, c'est un bonhomme de neige au printemps. Ça monte sec, hein. J'ai trouvé une colonne vertébrale. Allez, fake. Puis ben là, quand on est arrivé, ben, il y avait un petit vent de cul. Du coup, on sait pas trop. Donc apparemment, pas trop l'idéal pour démarrer. Là, la redescente avec le sac, j'ai pas envie, là. On va aller essayer de monter de l'autre côté de la montagne pour que le vent d'eau devienne de face. Et puis, ben, ouais, finalement, le vent a un petit peu tombé. Le soleil a un peu réchauffé la pente. On devrait avoir un petit vent de face normalement. Donc là un petit peu la petite boule au ventre, est-ce qu'on décolle, est-ce qu'on décolle pas, prise de décision. Finalement on se tente le décolle d'ici. Et puis voilà, là c'est parti, on met le matos et on y va quoi. Nickel. Allez, 3, 2, 1. J'ai couru. Courez. Allez c'est parti, c'est parti. Et je cours. Nickel, encore. Et puis j'ai volé. Sauter. Ok mon pote, c'est super. Ah mon petit lion. Là on est bien. Ouais, cette approche là de voler ensemble, c'est vraiment cool quoi. C'est beau là. Ah comme c'est génial. Ah là là. Ouais, j'étais là un petit peu. On va se rapprocher, pas trop se rapprocher. Attends, bouge pas. Ah là là, les gars, olé. Et là, tu vois l'aile. Génial, t'as presque envie de mettre le petit pied. On était encore, quoi, 2 mètres. Ouais, c'est trop beau. Je pense qu'on le sentait tous les trois. Un peu de contact. Tu vois, il est en face, là. C'est ça, donc c'est plein de choses tu découvres, quoi. Perspectives différentes, sensations différentes. Allez, vas-y, appuie. Laisse appuyer. Ah, ouais, d'accord, là, tu tires votre temps, frère. Et voilà, nickel mon pote. Et on vient de là-haut. Oh, là-bas là-haut. Dormez. Hey, vous savez quoi? C'est l'anniversaire de Louis aujourd'hui. Et on va fêter ça dans les airs. Pour l'occasion, on lui a préparé un tandem un petit peu spécial. Happy birthday. Ballon, gâteau, champagne, tout y était. Mais je vous laisse maintenant voir comment s'y est pris pour décoller. Happy birthday! I'm gonna die. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Louis. Joyeux anniversaire. Allez, go. Encore. Allez, c'est bon ça. Une belle glissade pour décoller, et une fois qu'on est bien installé face à face dans les sellettes, on peut alors tout sortir pour fêter l'anniversaire comme il se doit. Champagne ! Joyeux
20 ans dans la force publique. Tu t'es né où je suis né, tu te demanderais si tout va bien dans le temps que c'est. Est-ce que vous nous feriez l'honneur de laisser s'envoler votre 24e année? Allez! Salut! Allez, 24e année! Ah, c'est beau! HB, my girl! Ce qui est bien dans ce genre de trip, c'est que tout le monde a pu voler un petit peu, même ceux qui n'avaient jamais fait auparavant. Quentin nous a même écrit une petite chanson pour l'occasion. Comment ça se passe ce petit trip? Eh ben très très bien. Très très bien, on a volé, du coup j'ai volé pour la première fois de ma vie avec mon cousin et du coup en tandem, donc avec lui en parapente. Comment ça va Quentin? Je me chie un peu là. Allez, là on y est pour de vrai là. Là on y est. Là pour on de y est là. Trois, deux, un, allez on court, on y va, putain de Dieu, on est tout en l'air là, oh bordel. Oh putain, la route elle est toute petite. Ah ouais. Ouh, les vaches elles sont pas bien plus grandes. Avec le cousin dans les airs. Ça fly. Tu as fait des petites spirales avec ton aile, c'était fort agréable. Avec un mystère. Une fois dans les airs, oui, parfois on se perd. On voit que c'est pas rapide. On voit que c'est pas très très rapide. On voit que c'est pas très très rapide le parapente. Bonne petite jubilée. Accueilli chez lui, la 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 la. Je sentais mon cœur léger à l'instant de s'élever. Je ne sentis plus l'air sous mes pieds. On arrive vite. Bon mec, tranquille. Allez, hop. Yes. Super, oh là. Putain de Dieu. Attention à la voile qui retombe. Oh bordel. Plus jamais. Bien joué. Bienvenue sur Terre. Félicitations. Oh, trop fort. Putain. Pendant ce séjour, des sensations, il y en a eu pour tout le monde. Et notamment pour Guillaume, qui a pu faire ses premiers largages. Ouais, ça a l'air de tenir mieux, quoi. Ouais, c'est top. Yeah. Appuie sellette. Tac, 3-6. Ah, non, ça ne passe pas, reviens. Salut, moi c'est Guillaume Vendrin, j'ai 26 ans, je viens de Montpellier. Mon père est une banane, ma mère un abricot. On le fait calme, on est des gens sérieux ici. Il paraît que cette semaine, ouais, tu as fait deux largages. Oh putain, ouais, j'ai largué deux meufs. Non, pardon. Deux largages depuis le parapente avec un sac de base jump. Ouais, exactement. On a plié la voile tout à l'heure, tout s'est bien passé. On part faire un petit largage du soir. On va commencer avant ces deux largages par la première PCA que tu m'as fait faire. Vous avez quand même, tu vois, c'est quand même énorme tout ça pour poser, quoi. Voilà. C'est-à-dire que toi, tu tenais l'extracteur dans tes mains, ça déclenche directement l'ouverture du parachute, donc en toute sécurité. De me retrouver de l'autre côté de la barrière de ce pont et de me dire ok, là c'est le moment où tu vas te jeter dans le vide. J'ai fait mon saut et donc j'avais juste à me concentrer sur la bonne propulsion, la bonne position à avoir en l'air. Pour dire ça, c'est pour moi un rêve de fou. Sauf que là, t'as un parachute dans le dos, mon pote. Là, ça marche.
Bonjour, je m'appelle Zutmer. Je viens de Roumanie au Kazakhstan. J'adore les œufs durs et aussi les œufs mous. Parler des largages, vous avez vu faire ça et tout, c'était encore un autre rêve que je trouvais mais immense. Hakuna Matata. De là, on est ici, et là tu me dis c'est parti. Je suis en train de plier un set de bass. Et... T'es prêt mon pote? Ouais mec. On va s'envoyer en l'air. Yeah. Il dit tu vas te faire larguer quoi. Alors je t'ai pas préparé à... C'est toujours dur, une rupture émotionnelle comme ça. Mais bon, quand c'est toi qui laisses la traîner, ça marche. Salut toi. Allez mon Guigui. 3, 2, 1. Allez, fort en avant, c'est parti. Allez, go, 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 go. Allez, cours, 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 donne-tout, 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 donne-tout. Yes, papa. Le début dans le parapente, sortir de la sellette. Une ventrale, deux ventrales. Ouais, on était à 500 mètres. De mettre les deux pieds sur quel pied être un peu compliqué. Ça marche. On sait qu'on a du vide. On a un vide qui est tout autour de nous. De là, la chute un peu sommaire, la première. Peut-être en bas, mine de rien. Ouais, clairement, ouais. Ouais, ouais. Donc, bon, mais kiff, tu vois, je sens l'air qui arrive. Bah, ouais. C'est bon, je me mets droit. Et en fait, je suis reparti un peu en droit. Je me suis remis à plat. Et j'ai tiré. C'est à ce moment-là, j'ai fait putain, mais tire, qu'est-ce que tu fais? Ok, c'est bon. Bien. Ouais. Yes, papa. Tire, tire, tire! Premier saut, j'ai fait 7 secondes de chute. Et 40 secondes exactement sous voile. Donc une sécurité quand même top. Rien à dire. À part 2-3 petites positions un peu ambiguës dans les airs. Ça me sert à rien. Donc là, concentration, le deuxième largage, je suis hyper heureux parce qu'il s'est fait dans les règles de l'art. Voilà, c'est le deuxième saut de base de Guigui. Et puis voilà, petite pression pour moi là quand même. Mais Guigui, il a l'air serein, donc ça va. Là, je suis là où j'ai envie d'être, faire ce que j'ai envie de faire. Ah, un Hakuna Mata largage. Allez Guigui, allez. J'étais bon appui sur la sellette, j'ai sauté, position impeccable, comme en skydive, comme on l'a appris. Le mouvement reste, 3 secondes, 4 secondes, 4 secondes, j'ouvre le parachute, nickel. On est peut-être encore à 200 mètres sol, on est large. Ah, d'une beauté extrême. Là, c'est cool. Oh là là, ça c'est beau mon pote. Ça c'est de la tuerie. Et là, ça fait d'autant plus plaisir. Hey, yeah. Même s'il y a eu moins de chutes que le premier, la satisfaction est encore plus grosse. Ah, c'est dingue. C'est quelque chose de très très fort. Très très fort. Bravo, Guigui. Bienvenue dans le ciel. Fort. Voilà. Merci. Je t'en prie. Il y a des fois dans la vie où l'on se sent tellement bien dans le moment présent que l'on perd la notion du temps. Cette aventure qui aura duré un mois est une grande réussite. Et le petit coucher de soleil du soir ? Non. Nous n'avons atteint aucun objectif précis. Oh ! On va s'envoler ! Poussé par un vent de folie et de liberté, on va faire un tandem. Nous nous sommes accordé ces précieux moments qui resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Encore, 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 fort, 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 encore, fort, fort, fort. Oh là là ! Tu ne plies pas deux fois de la même façon ton parapente. Pour moi, la vie, c'est pareil. On dit quoi ? Sors des plis. Comme le parapente, tous les jours, fais des plis différents, sors de ta putain de routine. Voilà, c'est un petit truc que j'ai trouvé.